Avant de lancer le discours au nom des anciens combattants, je voudrais exprimer pour toi, c'est très important votre présence ici, parce que cette nuit, il y a eu un événement qui a été ce qu'on peut appeler un sacrilège. C'est-à-dire que pour la deuxième fois, avant une cérémonie nationale, le 11 novembre, on nous a volé le drapeau national, le pavillon. Le 11 novembre, on a remplacé les services, et cette nuit, on nous a coupé la brise. Donc, les ministres ont vite réparé pour que la cérémonie ait lieu dans des conditions dignes. Voilà, donc, je dis ça pour vous rappeler à tous et à toutes l'importance qu'il y a de respecter les institutions et votre présence est témoin de l'intérêt que vous y attachez. Merci. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En ce 8 mai 2023, nous commémorons le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Nous constatons qu'une nouvelle guerre, fruit de la violence entre deux États, perdure depuis un an à nos portes, à 3 heures de vol de Paris. Rappelons-nous l'épisode de la drôle de guerre, de 39 à 40, début de la Seconde Guerre mondiale, qui avait d'abord embrasé l'Europe, avant de s'étendre au reste du monde. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français, de la métropole qui ont contribué au combat pour la liberté, à la libération de notre pays, du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Préparons-nous à cette période incertaine, à toute éventualité. Les menaces ne sont pas seulement en Europe de l'Est. Le terrorisme, le temps permanent, continue à sévir sur tous les continents et nous menace à tous. Le contexte géopolitique mondial est changeant, au rythme des crises, des confrontations, les intérêts économiques et politiques de nombreux pays, notamment ceux dits émergents. Redécouvrons et développons l'esprit de défense, en particulier chez nos jeunes. Préparons-nous à la résilience, cette capacité à se rétablir dans l'adversité et à mobiliser toutes les énergies pour assurer la survie de nos institutions et préparer une reconstruction nécessaire. Les anciens combattants, au niveau national et local, s'investissent dans cette démarche. À cet effet, s'appuie sur ses adhérents, sans distinction, anciens d'Indochine, anciens d'AFM, plus jeunes des opérations extérieures et intérieures, soldats de France, membres associés, veuves de guerre et anciens combattants, et orphelins de guerre. Ils agissent dans les domaines de la solidarité, de la mémoire et de l'action civique, notamment au sein des réserves du service national, universel, ainsi qu'au travers des cadets des anciens combattants. Aujourd'hui, à cette date anniversaire, ici, tous rassemblés, nous devons être plus unis que jamais autour de notre drapeau, de nos valeurs séculaires et surtout autour de nos armées engagées à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays, au service de la France. Le Cornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui a écrasé l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est réelle en septembre. Nos Outre-mer se distinguent dans les 3 océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire.
indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessin pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie, pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 40 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par famille entière dans des convois vers l'Est d'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Thank you.